La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyez les bienvenus ce matin, en ce matin de Noël, dans ce temple de Champelle, où nous sommes réunis pour la plus lumineuse des fêtes. Puissions-nous en recevoir cette lumière spirituelle tellement indispensable, particulièrement dans les temps sombres que nous connaissons. Et pour entrer dans ce moment de culte, je vous invite à invoquer la présence de Dieu. Depuis que le monde se déroule, ô notre Dieu, ta révélation est inscrite dans l'essence des choses. Derrière le ciel étoilé et la ronde des galaxies, je vois ta main. Derrière le vol d'un moineau, je vois ta main. Derrière une goutte de rosée, je vois ta main. Derrière l'émergence de la conscience, je vois ta main. Derrière la loi morale en moi, je vois ta main. Derrière l'enfant de Noël bercé par sa mère, je vois ton nom. Derrière l'amour du Fils, offert à l'attente ardente de l'humanité, je vois ton nom. Amen. Et je vous invite à chanter un chant de Noël très bien connu, le numéro 256. Nous chantons ce cantique en entier. Écoutons les promesses de la bouche du prophète. Voici mon serviteur, mon élu, que j'ai moi-même en faveur. J'ai mis mon esprit sur lui. Pour les peuples, il fera paraître le jugement. Il ne criera pas, il n'élèvera pas le ton, il ne fera pas entendre dans la rue sa clameur,
Il ne brisera pas le roseau ployé, il n'atteindra pas la mèche qui s'étiole, lui ne s'étiolera pas, il ne ploiera pas, jusqu'à ce qu'il ait imposé sur la terre la justice. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui a créé les cieux et qui les a tendus, qui a étendu la terre porteuse de ses enfants, donné respiration à la multitude qui la couvre et le souffle à ceux qui la parcourent. Je vous invite à la prière. Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, tu n'as pas voulu rester le Très-Haut. Tu as voulu aussi nous rejoindre dans notre aventure humaine, souvent compliquée et aléatoire. Tu n'as pas voulu demeurer seulement le Seigneur de l'immensité éternelle, mais aussi nous accompagner sur cette terre des vivants, où il t'a plu de nous placer. Par Jésus-Christ, tu te fais le visiteur amical, invisible et fidèle, de nos chemins hésitants. Que reste-t-il à faire sinon te rendre grâce et nous remettre à ta présence? Vienne ton Esprit Saint dissiper nos agitations, les alarmes de nos cœurs. Console les tristesses que nous portons, les inquiétudes qui nous rongent. Efface les fautes, afin que quelque chose d'une vie nouvelle puisse naître en nous. Nous te prions pour que ce jour de Noël soit une véritable rencontre avec toi sous les espèces de la vérité et de la joie, que par nos prières et nos chants, nos paroles et notre écoute, le pain et le vin partagés, nous formions une véritable communauté de Noël. Accorde-nous de nous recueillir dans la profondeur où tu te tiens, en secret, quand cette heure de culte, cela se réalise, par ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Rappelons-nous cette exhortation toute simple et fondamentale que Jésus donne dans l'Évangile. Ne crains pas, va avec ta foi et tu seras sauvé. Je vous invite à vous associer à cette confession de foi qui est due à un de mes très chers collègues français et qui est une confession de foi moderne, une des plus belles que je connaisse. Je crois en Dieu le tout proche, plus que l'homme ne l'est de lui-même et que le ciel ne l'est de la terre. Je crois en Jésus-Christ, face divine de l'homme et face humaine de Dieu, souffrante et crucifiée. Il accepta la mort mieux que nous n'acceptons la vie. Il vient pour libérer l'homme de ses idoles, il nous donne sa paix. Je crois en l'Esprit Saint qui nous unit au Christ dans le monde de Dieu, ici et maintenant, événement de l'Église, dans la foi, l'espérance et l'amour. Amen.
Nous lisons au psaume 34. Je bénis le Seigneur en tout temps. Sa louange est sur mes lèvres. Magnifiez avec moi le Seigneur. Ensemble, célébrons son nom. J'ai cherché le Seigneur. Il m'a répondu. Il m'a délivré de la peur. Le malheureux appelle, le Seigneur l'entend et le sauve de la détresse. L'ange du Seigneur accompagne ceux qui le révèrent. Voyez combien le Seigneur est bon. Heureux celui dont il est le refuge. Nous poursuivons avec l'Évangile selon Luc au chapitre 2. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était le gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s'appelle Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en en cherchant le sens. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. 8 jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception.
je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, tu nous as donné une conscience et une intelligence. Viens toi-même les éclairer. Jésus l'a dit, l'Esprit viendra, il vous instruira de ma part. Il vous conduira de lumière en lumière et lui-même vous montrera la route. Nous avons confiance en toi. Conduis-nous sur le bon chemin. Amen. Alors vous avez entendu, après une ultime prestation, hop, les anges retournent d'où ils viennent, dans les cieux, on pourrait dire qu'ils tirent leur révérence. Ces anges qui, selon le récit de Saint-Luc, qui vient d'être lu, font connaître aux bergers l'accomplissement de la promesse divine. Ces anges qui mènent un grand tapage nocturne dans les campagnes, ces anges que les peintres ont représentés des milliers de fois, ils s'en vont. Ils tirent leur révérence. Parce qu'ils ont terminé leur travail. Ils ont accompli leur mission. Ils sont comme des artistes. Au final du spectacle, ils viennent saluer le public. Et ils disparaissent en coulisses parce que leur rôle est achevé. Ils s'envolent définitivement. Parce que, en cette nuit de Noël, il y a eu des changements importants qui se sont produits. Enfin, quand je dis cette nuit, c'est une façon de parler. La date exacte, personne ne la connaît. Ça pourrait être n'importe quelle autre nuit, montant en chaire de la cathédrale, un matin de Noël, Jean Calvin, dans le style qui n'appartient qu'à lui, un 25 décembre, commença sa prédication ainsi, « Si quelqu'un parmi vous croit encore que notre Seigneur est né un 25 décembre, il est pire qu'une bête sauvage. » Passons. Bien sûr, les anges
on ne va pas les oublier. Comment oublier des acteurs aussi populaires ? À Noël, on en parle beaucoup, on les accroche sur les sapins. C'est un peu comme les photos de stars qu'on affiche sur les murs. Et les évangélistes ont beaucoup de sympathie pour eux. Ils les font réapparaître ici ou là dans la vie de Jésus, notamment un certain matin de Pâques dans un jardin près d'une tombe ouverte. Ils apparaissent pour de brèves figurations. Et même de son côté, un apôtre un peu plus poète que les autres, celui de l'Épître aux Hébreux, va jusqu'à dire que beaucoup croisent des anges sans le savoir. Pourquoi pas ? Et bien sûr, ils seront là pour l'apothéose finale, à la consommation des siècles. Mais en attendant, à compter de cette nuit mémorable, disons qu'ils se sont mis en disponibilité. Comment cela se fait-il ? Eh bien, ça se fait qu'il y a un avant-Noël et un après-Noël. Avant-Noël, nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler un monothéisme classique, celui de Moïse. Moïse, celui qu'on appelle parfois le prince des prophètes, a enseigné qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que ce Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il contient, qu'il a insufflé la vie, suscité l'apparition de l'homme. Ce Dieu dépasse tout ce que tu peux imaginer, au point que on ne peut même pas prononcer son nom. De ce très grand Dieu, il est dit dans les psaumes qu'une fois sa création achevée, il s'est retiré dans les cieux des cieux. Quant à savoir où c'est les cieux des cieux, on s'interroge, on n'a pas encore trouvé. Il a laissé à l'homme des directives pour régler sa vie. Mais du coup, avant Noël, Dieu doit pouvoir compter sur un service de communication efficace. Des services angéliques, nombreux, compétents, pour envoyer ses messages aux quatre coins de l'univers et à tout moment. En grec, angelos, ça veut dire messager. Messager. Celui qui apporte les nouvelles. Dieu s'en sert pour avertir les êtres humains, pour modifier un état des choses, pour inspirer une impulsion particulière dans le cours de l'histoire, etc. Regardez l'ange Gabriel, qui est vraiment la star incontestée du deuxième chapitre de Luc. Il est chargé d'annoncer à un homme âgé, Zacharie, puis à une toute jeune femme d'à peine 15 ans, Marie, des enfantements hors normes. Celui de Jean-Baptiste et celui du Messie. Eh bien, l'ange Gabriel, il a commencé sa carrière des siècles et des siècles en arrière. Il est entré en scène avec deux de ses collègues en allant rencontrer le patriarche Abraham et son épouse Sarah pour leur apprendre la naissance prochaine d'un fils, Isaac. Une naissance qu'ils n'espéraient plus. Ils étaient tellement vieux. Une naissance pourtant indispensable, puisque la promesse qui nous atteint aujourd'hui passe par là. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Noël qui amène la fermeture, si j'ose dire, d'un service céleste aussi performant ? Eh bien, en cette nuit est paru celui que tous les chrétiens appellent le Messie. En français, le terme Messie se rapproche par la musique du mot de message, messager, messagerie. Le Messie, c'est l'envoyé par excellence. C'est celui qui vient établir une communication directe et permanente. Et à cette fin, Dieu va jusqu'à assurer le service lui-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il est la communication en personne. C'est ce qu'on appelle parfois d'un nom savant, l'incarnation. Dieu s'est approché de nous. Et c'est cette conviction-là qui rend, voyez-vous, notre foi si originale, si singulière, si unique et si précieuse. Désormais, le Christ est le médiateur, dit-on,
Ben, on pourrait dire, il est le média. Il est le média. Tout passe par lui. Donc, les anges ne sont plus nécessaires. C'est lui qui, par son esprit, communique directement, individuellement, avec chacun d'entre nous. Alors, que nous sachions l'entendre ou pas, ça, c'est une autre affaire. Mais enfin, voilà pourquoi. Il y a un avant Noël et un après Noël. Donc nous disons, le Dieu de Moïse s'est approché de nous, en Jésus-Christ. Mais c'est bien le même Dieu dont il s'agit. Le Dieu infini et transcendant, qui est à l'origine de tout ce qui est, qu'on ne peut ni se représenter, ni même nommer, et le Dieu qui s'humanise à travers le visage d'un enfant, sont un seul et même Dieu. Le Dieu inaccessible, qui habite dans les yeux des cieux, on ne sait pas où c'est, et le Dieu intérieur, le Dieu qui parle au cœur, le Père compris dans le secret, sont un seul et même Dieu. Le Dieu ultime, celui que le psalmiste appelle le Seigneur des étoiles, et le Dieu intime, qui se tient au plus profond de chacun de nous, sont un seul et même Dieu. Et du coup, eh bien, nous nous retrouvons à cheval entre deux mondes, deux réalités. D'un côté, nous sommes de ce monde liés à l'espace, au déroulement du temps. Et puis de l'autre, nous avons part à une réalité supérieure qui est au-dessus de l'espace et du temps. Nous participons biologiquement du cosmos comme tous les autres êtres vivants. Et d'autre part, nous participons de cette vie qui ne passe pas que le Christ est venu apporter. Nous venons d'en bas et pourtant, nous sommes envoyés d'en haut. Et voyez-vous, que tout passe par le Christ, ça entraîne un paradoxe. C'est que désormais, tout passe aussi par nous. Je m'explique. Tout passe par le Christ parce que c'est lui qui allume en nous l'étincelle de la vie nouvelle. La nativité, Noël, c'est moins un événement appartenant à un lointain passé qu'un processus intérieur à chacun. Luther disait que ça ne servirait à rien que le Christ soit né quelque part en Galilée il y a 2000 ans si rien ne devait se passer dans le cœur de ses contemporains. Mais tout passe par nous parce que cette étincelle, elle diffuse suffisamment de lumière pour que nous puissions avancer d'une manière autonome. Il y a une parole importante de Jésus qui dit « Vous êtes la lumière du monde ». Cette parole ne signifie pas « Débrouillez-vous tout seul ». C'est une promesse. « Je mets en vous suffisamment de ma lumière pour que par vous-même, vous puissiez avancer dans le monde. » Alors, si dans l'Évangile, les anges tirent leur révérence, c'est parce que saint Luc a compris qu'une des conséquences de la nativité, c'est que dorénavant, ce sont les êtres humains qui peuvent être des anges les uns pour les autres. Et que nous soyons des anges les uns pour les autres, c'est une vérité qui nous atteint de plein fouet en ce Noël 2021. Vous le savez, depuis 2 ans, a surgi une pandémie redoutable qui, vague après vague, n'en finit pas de nous éprouver. Nous nous défendons du mieux que nous pouvons. Il est certain que nous sommes mieux armés pour l'affronter que ne le furent les générations précédentes. Ben, il reste que la science ne fait pas tout. Et les dégâts sont là. Ils sont considérables, profonds. Et je ne pense pas seulement au deuil
ou à la casse économique. Non, je pense aux ravages du point de vue humain. Les contraintes sanitaires nous ont isolés les uns des autres et jusqu'au sein de nos familles. Au fond, tout ce qui nous a effectivement protégés, positivement protégés, qu'on a appelé les aides barrières, vous voyez tout ça, c'est en même temps ce qui a contribué à faire que le prochain soit considéré comme une menace potentielle. Chaque autre devient un possible ange à l'envers, un ange négatif, susceptible de répandre la maladie et peut-être, qui sait, la mort. Alors à la longue, notre société se trouve fracturée par la montée diffuse de la peur, de l'intolérance, des anathèmes et quelquefois, on l'a vu, de formes de violence. La parole de Dieu pose que nous sommes des êtres de relation. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est dans la Genèse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Or, c'est justement notre lien à l'autre que touche la pandémie. Donc aussi, d'une certaine façon, notre lien à Dieu. Nous avons perdu quelque chose de notre pleine humanité. Je veux dire que ça nous a rétréci sur nous-mêmes. Vous le sentez bien. J'ignore comment on sort d'une situation pareille, on en sortira, il y a forcément une issue. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il faudra guérir les âmes abîmées. Et peut-être est-ce là la mission que Dieu nous confie à travers ces extraordinaires événements. Puisse chacun, selon sa mesure, veiller aux liens humains autour de lui, si durement malmené par le fléau. Puisse chacun, là où il se trouve et selon ses moyens, se faire l'ange de la présence réparatrice de Dieu. Et par-dessus tout, surmontant ce qui menace, ce qui divise, ce qui décourage, soyons des ouvriers de l'espérance. L'homme n'est pas un sociétaire du néant. Il n'est pas seul. On parle volontiers du monde d'après, sans savoir ce qui sera. Le monde d'après, ce sera notre combat pour l'essence spirituelle de l'homme. Notre combat pour l'homme, pour l'être humain qui naît à Noël. Et soyez sûrs que dans ce combat, Dieu est avec nous parce que c'est son combat. Amen.
entre dans notre vie pour nous faire entrer dans la sienne. Admirable échange. Au cœur de la nuit, un cri s'est fait entendre. Un enfant est né. Un sauveur arrive. La longue attente a pris fin, mais c'est l'inattendu. On espérait le Tout-Puissant et Dieu nous envoie un enfant. On espérait l'extraordinaire et Dieu vient dans le quotidien. On attendait quelqu'un sur qui nous appuyer et voilà qu'il a besoin de nous. Besoin d'une mère qui l'allaite et d'un père qui veille sur lui. Besoin d'un toit pour l'abriter et de bras pour le bercer. Besoin d'amour et de tendresse. Dieu a besoin de nous. C'est l'inattendu de l'amour. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et pour nous tous, à qui Dieu manifeste son amour infini dans le visage de cet enfant. Tout est possible maintenant que Dieu est avec nous, avec le peuple des croyants de tout temps et de tout lieu. Réjouissons-nous en chantant la première strophe du cantique 265. Nous pouvons nous lever. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour tous. Faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites cela en mémoire de foi, toutes les fois que vous en boirez. » Unissons-nous dans la prière. Avec les bergers de la nuit, c'est toute l'humanité qui s'avance près de la crèche et s'approche de l'enfant Jésus, afin de trouver auprès de lui sens, lumière et espérance. Nous approchons, Seigneur, avec tous ceux et celles qui ont égaré l'espérance parce que la vie est rude et les combats difficiles. Nous prions tout particulièrement pour tous les réfugiés qui souvent n'ont que de pauvres abris pour les protéger du froid et des intempéries. Nous te remercions de réchauffer leur cœur. En cette période de crise sanitaire et climatique qui nous amène bien des inquiétudes pour notre avenir, nous souhaitons te confier nos autorités fédérales qui doivent faire face à des défis importants. Nous te remercions de les inspirer dans leurs décisions. Nous te prions aussi tout spécialement pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux
et qui sont déjà si durement éprouvées, au moment où chacune et chacun aimerait pouvoir se reposer. Nous te remercions de les soutenir et nous te rendons grâce pour leur service et leur présence. Nous prions aussi pour les personnes qui sont assises à côté de nous et pour les paroissiens qui n'ont pas pu nous rejoindre ou qui se trouvent seuls en ce jour de Noël. Nous te remercions de les bercer de ton amour. Enfin, nous faisons silence pour nommer dans nos cœurs les personnes qui nous sont proches et qui ont besoin de sentir ta présence pour faire face aux difficultés de la vie. Toutes nos prières, nous les réunissons maintenant en te disant d'une même voix et d'un même cœur la prière que nous a transmise Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous chantons maintenant, en restant assis, la deuxième strophe du cantique 265. Seigneur, en ce jour de Noël, l'humanité entière est invitée à marcher vers la crèche. Donne-nous maintenant la grâce de te découvrir naissant au fond de notre cœur. Oui, que ton esprit souffle sur nous et qu'il nous donne maintenant de communier au plus intime de notre vie, au corps et au sang du Seigneur, le Christ vivant, et de pouvoir ainsi sentir la réalité de ta présence dans notre vie, jour après jour. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous offrir la vie en partage. Amen. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ versée pour la vie du monde. Seigneur Jésus, tu nous vois avec notre foi chancelante, nos hésitations, mais notre désir sincère de répondre à ton invitation. Alors Seigneur, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.
Nous te rendons grâce de nous accueillir tels que nous sommes. Frères et sœurs, nous sommes tous les invités au repas du Seigneur. Nous avons préparé la table, mais c'est le Seigneur lui-même qui la préside. Oui, nous sommes tous invités au repas du Seigneur. Nous communierons ce matin sous forme de défilé. Vous voudrez bien passer par cette travée ici, à vous approcher. Nous vous tendrons le pain et le vin ou le jus de raisin, puis vous reposerez les petits verres sur les plateaux pour reprendre le chemin par les travées latérales. Il y a jus de raisin dans les verres rouges et du vin dans les verres blancs. Voilà, comme ça, tout est dit. Venez, car tout est prêt. Amen. La naissance de Dieu en Jésus enfant ébranle définitivement l'ordre établi. Si Dieu naît au milieu de nous, c'est pour nous accompagner dans le labyrinthe de la vie. Désormais, plus rien ne pourra ôter l'espérance du cœur des vivants. Grâce te soit rendue, Seigneur, car ta naissance nous fait renaître à l'espérance. Grâce te soit rendue pour ta venue, le signe le plus manifeste de ton amour donné à jamais. Amen. J'ai quelques annonces avant que nous ne nous quittions. Donc, ce dimanche, qui est donc demain, il n'y aura pas de culte dans la paroisse. Il y a un lieu de rassemblement pour ceux qui le souhaitent, la cathédrale Saint-Pierre, à 10h. Le 31 décembre, au Temple des Eaux Vives, à 22h30, une longue veille est organisée par les prédicateurs laïcs et vous êtes bien sûr les bienvenus. Et puis le 2 janvier, premier dimanche de l'année, j'aurai le plaisir de vous retrouver, mais cette fois au temple de Malagnou, puisque vous savez que nous tournons de lieu en lieu depuis la création de cette nouvelle grande paroisse. Un dernier petit mot, celles et ceux qui souhaitent le texte de la prédication de ce jour peuvent l'obtenir tout simplement à la sortie. Nous avons prévu déjà un certain nombre de photocopies qui sont à disposition. Je vous invite à présent à vous lever pour recevoir la bénédiction. Recevez de la part de Dieu, de ce Dieu qui s'est approché de nous et qui est désormais plus proche de nous que nous le sommes de nous-mêmes, recevez sa bénédiction. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce manifestée en Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun et chacune d'entre vous dans la paix et dans l'amour. Joyeux Noël à tous. Amen. Thank you.
Et encore un vif remerciement à Didier Godel, notre organiste, et à ses musiciens. Didier Godel a célébré avec nous son dernier dimanche de Noël dans la paroisse, puisqu'il prend sa retraite, que nous lui souhaitons heureuse, longue et féconde. Et merci aux musiciens.